Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier. Donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, si vous avez du Verseau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, avant toute chose, une très belle année 2022, que vos souhaits, vos rêves, vos désirs s'accomplissent. Voilà, je peux que vous souhaiter ça. Alors, je l'ai dit pour les autres signes aussi, voilà, gardez toujours espoir. La loi d'attraction parfois met du temps à se mettre en place, mais c'est pas parce que vous ne le voyez pas que ce n'est pas en train de se produire. Mettez-vous toujours en action. Alors, ça, c'est un principe qui rend heureux. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je préconise, en tout cas. Ça fonctionne avec moi et c'est déjà pas mal, hein, me connaissant, c'est déjà plutôt pas mal. Alors, je vous dis ça en tant que cousine d'air, hein, je suis Gémeaux, vous êtes Verseau, on a cette aptitude à des fois un petit peu trop cogiter. Néanmoins, ici, bah, ça va pas être le cas ce mois-ci. Vous avez quand même des énergies très féminines, on a 5 cartes à polarité féminine. Donc écoutez, même le roi de Denier, hein, Denier c'est la terre, le féminin. Donc, on va parler d'intérieur, on va parler de soi, on va parler de ressenti. Alors, vous avez la reconnexion, reconnectez-vous. Vous avez la maison 8, la maison du scorpion, encore une énergie féminine. On a la nouvelle lune dans le signe du capricorne, donc capricorne énergie de terre, donc féminine, et énergie d'eau, cancer, avec la pleine lune, énergie féminine. Donc là, j'ai envie de vous dire que il y a quand même quelque chose qui se dessine, un message très clair, avant même de rentrer dans l'interprétation des cartes. Quand on regarde comme ça, il y a effectivement un appel à se reconnecter à soi, à se reconnecter à son cœur, parce que là, les deux premières cartes en parlent. On va voir un petit peu, on va décliner selon les différents domaines, mais le message est très clair, hein. Selon moi, on vous invite vraiment à écouter votre cœur. J'insiste là-dessus parce que c'est ce qui m'a un petit peu sauté au visage tout de suite. Une fois que les cartes étaient brassées, je me suis dit, bah mince, il n'y a que des énergies. Même le 6 de Denier, regardez derrière, 9 de coupe. Voilà, encore des énergies féminines. Alors, un vœu qui se réalise et surtout un partage de la communication. 2022 en numérologie, c'est du 6. Et le 6, c'est effectivement l'amour, le partage, la communication, l'association. Voilà, on est dans une collaboration. En tout cas, il y a une véritable transition. Ici, ce qu'on veut, c'est recommencer quelque chose, mais en le faisant différemment. Alors, peu importe le domaine, hein, finalement, que ce soit amour, travail, famille, spirituel, relationnel, etc. Là, on est dans une vérité, je dirais, indéboulonnable. Voilà, j'en ai peut-être déjà parlé le mois dernier, mais ça ressort de plus en plus. Les polarités masculines rajoutent de la polarité féminine, les signes de polarité féminine rajoutent du masculin. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite tout simplement à aller voir la vidéo d'Isabelle Rabhi sur la polarité féminine masculine. Voilà, moi j'ai fait un petit travail là-dessus parce que j'avais toujours tendance à contrôler, à vouloir passer à l'action et à ne pas laisser un petit peu les choses filer d'elles-mêmes. Ça, c'est la polarité féminine, hein, l'intériorité, la bienveillance, l'écoute, le lâcher-prise. Voilà, donc un petit travail de rééquilibrage. Ici, on voit que la dominante est féminine. Ça veut dire que vous rajoutez cette polarité-là. En tout cas, si ça vous parle, ce que je vous dis, allez voir cette vidéo, vous allez tout de suite comprendre peut-être pourquoi vous avez certains schémas, certaines attitudes, certains comportements qui peuvent être parfois répétitifs, parce que tant qu'on n'identifie pas, forcément, les choses ne peuvent pas bouger. Là, maintenant que c'est identifié, pour certains d'entre vous, je suis sûre et certaine que, eh bien, c'est ce que vous dit la nouvelle lune en Capricorne, hein, donc le 4 janvier, le dur labeur est en train de payer. Le 18 janvier, on a la pleine lune dans le signe du Cancer, on vous dit qu'un problème personnel atteint sa résolution, et conjointement, on a la fin de la rétrogradation de votre planète maîtresse, la planète Uranus, qui est en Taureau. Donc, il y a effectivement une avancée, hein, on va le sentir, la fin de la rétrogradation d'Uranus, voilà, ça va jouer un petit peu. On a aussi l'arrivée
de Jupiter en poisson. Donc Jupiter qui était dans votre signe puis qui a rétrogradé pour revenir en direct. Donc a rétrogradé jusqu'à arriver dans le signe des poissons. Le signe des poissons donc sera occupé par Jupiter jusqu'au 22 mai, il me semble. Donc du 29 décembre, donc aujourd'hui, c'était cette nuit, jusqu'au 22 mai. Donc 22 mai 2022. Alors, on a quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est que y a autant le domaine financier que en fait, c'est un domaine nourricier, ce qui vous nourrit. Je ne vais pas partir dans un domaine plus qu'un autre parce que ça peut autant parler du travail que du sentimental. Mais en tout cas, pour vous, Verseau, ce démarrage de nouvelle année de 2022 va être marqué par une nourriture, quelque chose qui vous nourrit de joie. Donc on y va, c'est parti, reconnectez-vous. On vous dit, nos âmes ont besoin d'être régulièrement exposées aux merveilles et aux beautés de la nature. Promenez-vous tranquillement dans les bois, laissez vos pieds s'enfoncer dans le sable ou levez les yeux vers les étoiles. Sans cela, vous risqueriez d'oublier la beauté du monde et la profondeur de votre connexion à l'univers qui vous entoure. Prenez rendez-vous avec Mère Nature, rompez votre routine et rétablissez votre connexion intérieure. Et pour l'affirmation, mon âme se nourrit d'instants passés en nature elle-même et me guide sur le chemin de mon aventure. Alors cette nourriture, c'est l'eau, la terre, hein, tout ce qui va donner la vie. Donc énergie d'eau, énergie de terre. Voilà, on a quelque chose de très nourricier. Donc dans tous les domaines. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment un message global qui est aller vers ce qui vous donne de la joie. Et en général, on le retrouve dans la nature. On a l'impératrice qui peut être comparée à Gaïa. On a l'as de coupe, valet de coupe, un projet enthousiasmant, quelque chose qui renaît, quelque chose qui vous donne de l'enthousiasme en tout cas. On a cette notion de purification, je donne, je reçois avec l'as de coupe et le 6 de denier. Et puis, alors là on démarre vers quelque chose de nouveau. On a un as, un commencement, un démarrage, quelque chose qui naît, qui peut renaître, puisque vous avez la maison 8. La maison 8, c'est la maison du scorpion, c'est la maison de la mort, des fins, des recommencements. Et on vous dit que ici, c'est tout ce qui peut être pouvoir paranormaux, tout ce qui est affaire matérielle, tel que l'argent et l'héritage. On le voit ici avec le roi de denier. Il y a, alors, avec le valet de coupe, une appétence en ce moment pour des petites choses mystérieuses, les ovnis, tout ce qui va être de l'ordre des petits fantômes, enfin des petits fantômes, des petites manifestations psychiques, vous savez, les orbes, les petites boules de lumière qui passent, alors ne pas confondre à la caméra avec la poussière, mais une appétence, je dirais un attrait, une attirance, voilà, hein, une curiosité pour ça. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver une âme d'enfant. C'est ce que vous dit le démarrage de ce tirage, quelque chose qui vous enthousiasme. On a la pureté avec l'étoile, on a aussi le destin. Mais là, on a des cartes quand même assez juvéniles, des cartes de pureté. Donc ensuite, affirmation du pouvoir avec l'impératrice. Elle règne forcément sur un royaume beaucoup plus étendu que juste... voilà, c'est vraiment... on va dire quelque chose qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, qui rayonne. Alors, cette maison 8, elle nous parle de commencement, de fin, mais aussi, j'ai l'impression de vouloir des choses vraiment sérieuses. On est dans un... Si, par exemple, ça concerne l'amour, ça va être quelque chose qui transcende tout ce que vous avez pu connaître. Si c'est un nouvel amour, hein, je parle. Si c'est un amour existant, vous allez rajouter de l'enthousiasme, vous allez purifier certaines choses pour pouvoir transcender l'histoire, votre histoire existante, votre relation déjà existante et la transformer en quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus... oui, il y a vraiment l'idée d'une grande transformation. C'est un engagement qui va être pris. On voit qu'il y a une volonté de long terme avec le roi de denier. Donc ici, vous voulez que vos efforts payent. Hein, Capricorne, nouvelle lune, le dur labeur est en train de payer. Voilà, vous voulez fructifier tout simplement tout ce que vous avez mis en place. Et il y a une transformation aussi, je dirais, dans l'intimité, parce que c'est la maison du sexe, c'est la maison
de la passion, mais de la passion, c'est amour-amour. Hein. C'est vraiment, voilà, on parle de choses très sérieuses, on parle de choses qui ont été prises probablement depuis le mois d'octobre. En tout cas, voilà, alors le mois d'octobre, le mois de la balance, le mois du couple, c'est la maison 7, donc la maison juste avant, c'est pour ça que je parle du mois d'octobre. On a cette... Alors, peut-être aussi des choses qui arrivent, des petits messages concernant des héritages, parce que là, on voit un possible partage financier. Alors, ce n'est pas ce que je vous souhaite, hein, parce que qui dit héritage et partage de biens dit que ça implique une personne décédée, mais je pense qu'il va y avoir des questions relatives à tout ça. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, fouiller dans la cave et puis retrouver des objets, et des objets dont vous allez sentir tout à coup une énergie et vous allez vous dire, bah mince, j'avais jamais prêté attention à ça, et pourquoi ça se réveille aujourd'hui? Bah, c'est tout simplement parce que vous êtes prêt. Voilà le sens que moi je donne. Alors peut-être que pour certains, effectivement, il y aura, pour peu, hein, voilà, c'est un égrégore énergétique, donc ça ne sera pas tous les Verseaux qui seront dans la même configuration. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une renaissance et une découverte, une transformation dans le sens « je découvre un sens caché ». Voilà, il y a peut-être des choses qui m'ont été transmises avec l'héritage auxquelles je n'avais pas prêté attention avant et qui finalement maintenant me permettent de repositionner ma vie. On a le 6 de denier qui nous parle de réciprocité, qui nous parle de donner-recevoir. L'as de coupe, pareil, je reçois. Donc ici, vous avez peut-être reçu quelque chose qui est en train de s'activer. Donc ça va nécessiter peut-être des ajustements. On voit que le 6, hein, c'est une carte de transition. Donc vous allez vous ajuster, faire des compromis, mais des compromis qui vont vous servir parce que vous avez la position de l'impératrice qui vous dit à long terme, vous serez quand même gagnant. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de perdant, ce sera un échange gagnant-gagnant. Donc, alors moi j'ai l'impression qu'il y a des informations de vie antérieure hein, avec cette carte, avec le valet de coupe et le roi de denier. On est dans les parents, ce qui a été légué par les grands-parents, des biens acquis aussi, peut-être que votre conjoint-conjointe à ça qui est en train de se réveiller, vous allez pouvoir l'aider. En tout cas, à deux, vous allez pouvoir trouver des solutions, vous allez en discuter, voilà. Il s'agit aussi de tout ce qui est bien matériel, tout ce qui est police d'assurance, crédit, acte notarié, la maison, voilà. Tout ce qui est la maison, j'ai l'impression que ça va être très important. Pourquoi? Parce que on a vraiment cette notion de passé, d'avenir, du présent. Voilà, dans la maison, je sens des énergies, je sens des choses qui sont en train de s'activer. Donc, comme je vous le disais, il y a une notion de paranormal. Ça peut être de la communication. Alors, si ça vous intéresse, hein, j'ai mon amie Mégane Médium Voyance qui a écrit un livre « Je communique avec vos défunts ». Donc voilà, qui fait de la communication aux défunts, qui en parle, qui parle de son expérience. Et je sais que pour l'avoir lu, j'ai vécu des choses similaires. Moi, j'ai pas voulu activer ça, enfin, j'ai pas voulu être ouverte à ça parce que ça me faisait peur. Donc voilà. Ce qui n'est pas le cas chez elle, hein. Elle a des dons de médium à ce niveau-là qui sont assez bluffants. Donc, vous irez voir aussi. Alors, oui, dans des informations de vie antérieure qui peuvent revenir en rêve aussi, voilà, avec le valet de coupe. Donc, vous irez voir. Je vais aller très vite sur les cartes parce que, pour moi, la dominante féminine est très importante. S'écouter. Écoutez les messages intérieurs, donc du cœur, mais aussi des rêves, de tout ce qui arrive la nuit, voilà, de tout ce qui peut être « tiens, j'ai entendu un bruit » ou « je sens une énergie ». Ça, on vous demande de l'activer ce mois-ci. Alors, pas de carte d'action, pas de carte de décision, mais plutôt des cartes intérieures. C'est pour ça que je parlais de nourriture. Ok, je passe. On parle de renaître, on parle de se sentir fortement lié à quelqu'un aussi. Hein. Là, peut-être que vous allez faire une rencontre qui va être déterminante, qui va même s'inscrire sur du long terme parce que vous êtes déjà lié à cette personne. Alors, on ne va pas partir dans des... ce ne sera pas tout le monde, hein, d'accord? Donc ça, je le dis vraiment guidance privée. Voilà, donc si vous voulez vérifier si ça vous concerne parce que ça vous parle, ce sera en guidance privée. Il ne faut pas tout prendre pour acquis parce que malheureusement, ça peut créer des croyances limitantes. Alors ici... une relation sécurisante, un rapport à la vie qui est sécurisant, quelque chose
qui a besoin d'être nourri de sécurité aussi. On le voit, sécurité matérielle, sécurité dans les possessions, sécurité là où on est, là où on se trouve, dans la maison. Voilà, on donne, on reçoit. Mais là, on vous dit, il est temps d'ouvrir hein, votre chakra cœur. Il y a une relation, si elle arrive, elle va être sécurisante. Alors, on verra bien sûr pour le sentimental ce que ça nous dira. Mais moi, je pense que c'est basé sur de la réciprocité et de la longévité. Donc, quelque chose, vous allez sentir, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Alors, si vous êtes déjà en amour avec quelqu'un, je veux dire en couple avec quelqu'un, ici, il y a cette notion de purification, de recevoir, de communiquer, de pureté, de joie. On est dans une guérison aussi du chakra cœur, donc ça va effectivement interagir avec l'autre, hein, puisqu'on est dans une relation donnant-donnant, eh bien ça va permettre vraiment un sens des valeurs où tout est partagé, la communication est claire en tout cas. Vous allez rencontrer quelqu'un, alors ça peut être un signe d'eau, vous êtes déjà ou vous allez rencontrer un signe d'eau. D'ailleurs, le Verseau, alors c'est symbolisé par un coquillage et par de l'eau, c'est la connaissance sacrée hein, qui est déversée dans les eaux divines. On voit qu'il y a une réception, il y a un réceptacle en tout cas. Il y a quelque chose qui est transmis. Alors, Verseau, poisson juste après. Le poisson nage, enfin, les poissons nagent dans les eaux divines. Et il y a le passé, le futur. Les poissons, les deux poissons qui seront présentés nagent dans des directions différentes. Donc, ça symbolise une dualité. C'est pour ça que ça parle. Enfin, que le poisson est mis au pluriel. Je suis par exemple du signe poisson, vous mettrez toujours un S. Verseau ne prend pas de X, Gémeaux prend un S parce que pareil, il y a deux éléments dans le signe, enfin une gémellité. Donc voilà, je vous le dis, comme ça vous saurez. Donc ici, une relation pour moi, ou en tout cas une volonté de sécurité, de stabilité. Il y a une stabilité avec le... Alors ça peut être aussi un signe de terre, hein, finalement. On ne va pas partir dans les signes parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo. Néanmoins, on va quand même parler du signe du taureau qui est occupé par votre planète Uranus. Donc ici, vous allez sentir aussi que Uranus a fait son travail dans le signe du taureau. C'est-à-dire qu'ici, au niveau matériel, au niveau nourricier, au niveau de la sécurité, la manière dont vous faites vos courses, la manière dont vous tenez la maison, eh bien ici, vous avez trouvé votre équilibre, je dirais. Donc ça, c'est important parce que ça permet une vie de couple, d'accueillir quelqu'un dans votre vie, ou bien, si la personne est déjà là, d'avoir une relation vraiment sereine. Ça, c'est important. Valet de coupe, simplicité, voilà, vous allez au plus simple. Hein. Vous écoutez, vous entendez, vous captez, vous savez. Point. Là, c'est le cœur qui parle. Et le cœur est léger. J'ai l'impression qu'il y a une légèreté chez vous. C'est un des plus beaux tirages que vous pouvez rêver d'avoir. Hein. Je veux dire, là, c'est extrêmement positif. Ce sont des cartes très douces. Même si la carte de l'arcane sans nom, hein, c'est l'arcane sans nom, c'est la maison 8 du scorpion, ça peut être un petit peu piquant au début. C'est un auto-wash, mais avec un lance-flamme, mais c'est pour mieux renaître en fait. Donc là, après avoir été carbonisé, après avoir été en cendres, on renaît de ses cendres, c'est la maison du phénix, et là, vous avez tout purifié, vous redémarrez sur des bases saines et vous êtes vraiment dans une légèreté hein, du cœur. Ça, c'est très très marqué. Le valet de coupe, c'est l'enthousiasme, c'est un projet enthousiasmant. Ça peut être quelque chose qui peut être décidé au niveau du travail, au niveau de la maison, au niveau de la spiritualité. En tout cas, ce sont des petites choses de la vie qui vous rendent votre âme d'enfant. Voilà, vous allez au plus simple, mais il y a aussi une innocence, voilà, une pureté. Bon, et avec l'étoile, pareil, hein, l'étoile, c'est votre signe astro, ça, voilà, ça représente le Verseau. Regardez encore cette eau qui est versée. Et la concentration, alors,
Avec l'étoile, on parle de valeur, on parle de vertu, la force, les cinq vertus, hein, les cinq branches de l'étoile, la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Pour certains, il y a l'étoile à sept branches, donc il y a deux autres vertus cardinales, hein, qui sont rajoutées. Pour moi, voilà, on voit le phénix qui est prêt à s'envoler, hein, donc le phénix qui représente la renaissance. Ici, vous vous dépouillez aussi, on voit, c'est pour ça que l'étoile est nue, parce qu'elle est pure, elle est dépouillée de tous les vices, de toutes les... Voilà, il y a eu le diable, la maison Dieu et l'étoile, c'est-à-dire après les vices, l'orgueil, toutes les... comment dire... Oui, les bas instincts, on détruit tout avec la maison Dieu, et puis ensuite c'est la fraîcheur après l'orage, la lourdeur du diable, l'orage qui est salvateur finalement, mais qui fait très peur, hein. La maison Dieu, elle fait peur à beaucoup de monde, mais ensuite on a l'étoile. Et vous, je pense que vous êtes passé par là, par cette lourdeur, cette confrontation au monde qui pouvait être lourde, des conflits d'intérêts, par exemple. Et puis, vous êtes resté focus. Voilà, vous avez, comme le léopard, là, vous avez regardé vers le haut, hein, vous avez un objectif, le sommet. Là, vous regardez vers le haut, c'est-à-dire que je prends de la hauteur par rapport à mon passé. Je vais voir comment je peux transcender tout ça. Et finalement, la neige qui symbolise la pureté va permettre de purifier le passé, de rester focus sur l'avenir, de déverser ce qui doit être déversé, c'est-à-dire se dépouiller de ce qui doit être dépouillé. Et pour moi, à court terme, vous, j'ai l'impression que vous avez le regard tourné, parce que vous êtes quand même Verseau, hein. Verseau, c'est le roi d'épée, c'est... être sur la brèche, avoir de bonnes idées, des idées novatrices. Mais là, j'ai l'impression que vous comprenez quelque chose. C'est-à-dire, voilà, je prends avec moi un savoir qui me permet d'atteindre l'impératrice. Alors, l'impératrice et l'abondance, voilà, on est dans du nourricier. L'abondance et le roi de denier, c'est pareil, c'est un synonyme. Donc là, on voit les eaux qui nourrissent la terre et la terre va nourrir, enfin, va donner des fruits, les fruits vont vous nourrir vous-même. Voilà, donc il y a un cycle très vertueux. Moi, j'ai la vertu en tête, hein, depuis l'étoile avec voilà, les eaux de l'abondance, la corne d'abondance. Ici, alors je ne sais pas pourquoi j'ai le mot été qui est venu, mais voilà, chaleur, voilà, c'est chaleureux, on se sent bien, on se sent en sécurité, la sécurité d'un feu de cheminée. Vous savez, quand vous regardez un feu de cheminée, vous êtes tout de suite automatiquement apaisé. Et pourtant, c'est du feu. Alors si vous êtes comme moi en appartement et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir une cheminée, je vous assure ça fonctionne. C'est comme une astuce qu'on fait au cerveau. J'ai mis sur ma télé. Sur YouTube, il y a des vidéos comme ça, feu de cheminée pendant 10 heures, on entend le craquement. Bon voilà, c'est en boucle, hein, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à m'assoupir et je me suis réchauffée. Donc vous voyez comment le cerveau peut être puissant. Ici, pour moi, votre sécurité vous génère, enfin génère en vous. On est dans la maison 3, donc printemps, été, voilà, on est vers le Gémeaux, c'est-à-dire le mois de juin, le mois de mai, mois de juin, mais mois de mai avec le taureau du roi de denier. Mais on est dans une espèce de réchauffement à l'intérieur de vous-même, quelque chose qui renaît. C'est comme si pendant un temps, vous vous sentiez froid, insensible, peut-être en décalage, et puis là, ça y est, vous avez l'impression que chaque petite chose vous enthousiasme et vous vous demandez ce qui se passe. Peut-être que... alors, non, vous n'êtes pas, comment dire, bipolaire, hein. Des fois, on a des sautes d'humeur comme ça qui sont extrêmes. Ça peut être une tendance à la bipolarité. Pas du tout. Ici, là, c'est vraiment quelque chose qui renaît en vous. Mais ça a été un processus invisible. Quand on parle d'énergie féminine, on parle d'invisible. C'est pas quelque chose de palpable. Vous voyez pas la graine pousser sous terre. Et pourtant, il y a un jour où vous vous réveillez et ça y est, le plant de tomate est là. Et vous vous dites, ah bah d'accord, ok, voilà. Donc c'est ça qui s'est passé. Il y a un processus presque alchimique qui s'est produit en vous,
que vous n'avez peut-être pas vu venir, parce que pour moi, c'est comme s'il y avait eu un marquage. Le 13, c'est du radical, hein, la maison 8, comme ça, pour retrouver de l'équilibre, c'est une boucle est bouclée, c'est, vous voyez le 8, comment il est dessiné, c'est comme si vous coupiez les deux petites boucles du 8 en deux, voilà, et vous arrêtez de le passé, de tourner en boucle sur le passé, maintenant vous allez vers l'avenir et vous allez faire différemment. Le 13, on est dans du 4, on est dans de la stabilité, et une volonté en tout cas de sécurité, d'abondance, de récolte aussi. Et on vous dit, le dur labeur est en train de payer, ça veut dire que vous êtes en train de récolter. Donc là, plus vous allez rayonner, plus vous allez vous affirmer aussi, parce que l'impératrice, elle s'affirme. Alors on peut parler aussi d'un projet entre le valet de coupe, l'impératrice et le roi de denier. On peut parler quand même d'un projet qui va être sur le plan... alors professionnel, mais qui peut être lié à ce que vous avez en vous, voilà, qui peut donner aussi une rémunération. Donc voilà, envisagez ça, parce que c'est possible, hein. Quand on a l'impératrice, on parle d'un projet, quelque chose en élaboration, quelque chose qui est en vous, qui ne demande qu'à sortir, et qui finalement va être marqué, voilà, par la réussite. On a la liberté, alors liberté, aventure. Derrière, on a quoi ? Le pouvoir, bah oui, c'est que vous êtes capable de générer quelque chose de vos mains. J'ai l'impression aussi qu'il y a, je vous ai parlé de la maison Dieu et de l'étoile, qu'il y a eu une sorte de crispation, presque cristallisation, mais comme si vous aviez pendant un temps presque ragé en vous disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» sans comprendre qu'en fait, voilà, ce processus interne, c'était pour détruire quelque chose qui devait finalement permettre... c'est comme un barrage qui saute en fait. Voilà, donc il a fallu... qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas, je suis insensible, je suis froid. Voilà, bon, vous le transposez bien sûr à votre situation. Mais là, il y a quelque chose qui saute et qui permet... Alors ça peut être au niveau de la famille, parce que le roi de denier nous parle d'héritage, nous parle d'argent, nous parle de maison, nous parle de biens matériels. Hein, mais j'ai l'impression qu'il y a en tout cas quelque chose qui se libère. Alors pour certains, je dis bien certains d'entre vous, il va y avoir des choses au niveau de la maison, donc purifiée, parce qu'il peut y avoir effectivement une libération, une entité qui occupait les lieux qui part, et vous allez vous sentir enfin chez vous. Voilà, il y aura cette sensation-là, pour peu d'entre vous, mais quand même je le ressens, donc j'en parle. Alors, l'as de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit ? La lune. Oui, quelque chose que vous sentez hein, de toute façon. Et derrière As de bâton, il y a un démarrage. Il y a quelque chose qui enfin se révèle. Alors, avec la lune, ça peut aussi parler pour certains d'entre vous. La lune, l'impératrice, l'as de coupe, la possibilité de rencontrer quelqu'un qui sera votre partenaire, on va dire, qui sera avec vous parent d'un enfant. Voilà, il y aura peut-être la possibilité d'enfanter avec cette personne. C'est pour ça que je parlais de stabilité, de longévité, du sérieux en fait. Hein. Donc qui dit sérieux dit pour certains et certaines d'entre vous, enfanter une petite vie, une petite âme. Pour d'autres, vous allez en parler parce que vous êtes déjà ensemble, et pour d'autres, ça va être s'occuper du foyer parce que vous êtes déjà bien installé, vous avez déjà des enfants, et ça va être tout ce qui est la maternité, le foyer. Ça peut être aussi un rapport à votre mère, voilà, les liens interfamiliaux. Ça peut, vous verrez de toute façon, ça j'en parle vraiment en guidance privée de manière individuelle parce que tout le monde ne sera pas concerné. Alors là, il y en a trop, je ne les garde pas. Allez, le valet de coupe, s'il vous plaît. Hop là. Alors, dommage, j'ai un peu plié. 4 de bâton. Ben voilà, on est dans la sécurité, la stabilité, la joie, l'enthousiasme, les projets, les festivités. On a le cœur léger ici. Hein. On fait la fête avec ses amis, avec son partenaire. Il y a vraiment de la réciprocité entre le 4 de bâton, 6 de denier. Il y a quelque chose qui est... qui se libère. 5 de coupe. Voilà, après avoir perdu quelque chose... il y a une renaissance, ok, 9 de coupe, un vœu qui se réalise, ouais, ok, on est vraiment dans la même idée que vous avez dû passer par un orage, par la perte de quelque chose, d'un emploi, d'une relation, pour avoir, en fait, finalement, quelque chose d'encore mieux. Pour certains d'entre vous, c'est
une séparation qui a dû être obligatoire. Hein. 6 de bâton, la réussite, le succès, regardez la justice, justice est rendue. Ça peut être aussi un partage de biens, encore une fois, avec la justice, 6 de denier, 6 de bâton, reconnaissance, on reconnaît quelque chose. Donc, au niveau de la justice, ça peut être une réparation d'un tort. L'empereur, bon ben voilà, l'empereur, l'impératrice, on a quand même l'idée d'un couple. Hein. Roi de bâton, installation d'un pouvoir, on a aussi la concrétisation au niveau d'un projet, ça je l'ai déjà dit. Donc entre le roi de bâton et l'empereur, on est vraiment dans l'installation de quelque chose de vraiment concret. Dans la matière, quelque chose, ça peut être, ça y est, j'ai enfin mon enseigne qui symbolise l'installation de votre entreprise, de votre, comment dire, oui, de votre enseigne. Voilà, il y a quelque chose comme si vous alliez reprendre peut-être aussi une affaire familiale et rénover l'enseigne. Moi, j'ai vraiment ce côté, on va reconnaître les fruits de votre travail, de vos efforts. Il y a une reconnaissance, il y a une installation de quelque chose de, oui, de stable, de durable. Voilà, je l'ai déjà dit, mais... Alors, si j'insiste comme ça, parce qu'il y a des personnes, des fois, qui m'envoient des joyeusetés du style « Oh, ferme ta gueule, tu te répètes ». Alors, je vous rappelle, mais je leur dirai, je pense, dans une vidéo plus générale, que la répétition, ça permet justement d'ancrer quelque chose. Si, par exemple, vous répétez quelque chose tous les jours, ça devient une habitude, puis un rituel, puis votre destin. Donc, ça, c'est une programmation neurolinguistique. J'ai un peu étudié le sujet. Donc, voilà, je le dis parce que j'ai eu la désagréable surprise de lire ça, pas qu'une fois, hein, je vous le dis, voilà. Et ces commentaires ne passent pas parce que j'estime qu'on fait, on peut ne pas aimer mon travail, mais on ne fait pas caca dessus, voilà. Donc, si vous étiez tenté de dire, bah oui, mais tu te répètes et tout, sachez que c'est volontaire, ok, mais j'en reparlerai. Alors, l'impératrice, l'empereur, l'impératrice, on a le roi de denier, l'impératrice, la liberté. Deux de coupe, on est dans l'idée que là, ça va être au niveau de l'amour, ça peut être un nouveau contrat. Il y a quand même quelque chose de très, très, très marqué au niveau du sentimental. J'ai l'impression que là, c'est dans la continuité peut-être du mois de décembre. Hein. Je pense que vous aviez un très beau tirage aussi. Il y a quelques temps, je vous ai dit, bah, tout roule au niveau de la famille, au niveau... Voilà, on reste dans la même idée. Donc ici... Bah, gardez en tête, voilà, répétez-le vous jusqu'à ce que ça se produise. Gardez espoir. Des fois, la loi d'attraction, comme je vous le disais, ça met du temps à se mettre en place, mais c'est en allant dans l'action que vous allez au-devant des choses et que finalement, les choses arrivent aussi à vous. Voilà, quand on dit « il m'arrive rien », c'est que peut-être qu'il y a des choses à changer. Allez, un petit conseil de vos guides. 7 de bâton, défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Mais pour moi, vous irez jusqu'au bout du truc. Hein. Regardez derrière la joyeuseté. Le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Alors, pour celles et ceux... qui déclinera une invitation, je vous le déconseille fortement parce que là, le 4 de bâton, valet de coupe, cavalier d'eau, enfin, as de coupe, cavalier de coupe, ça parle quand même de la rencontre d'une personne qui peut être un événement social. Donc, ne déclinez pas si vite les invitations parce qu'il pourrait se produire des petites choses. Je vous souhaite un très beau nouvel an. Prenez soin de vous. Faites attention quand même avec modération, comme on dit. Et puis, prenez soin de vos proches aussi. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2022. Bien sûr, je continue à vous accompagner au fil du temps. On se retrouve très, très vite pour la guidance sentimentale. Je vous aime, je vous embrasse. Rendez-vous aussi sur Instagram pour les petits tirages à choix que je propose à chaque cycle lunaire, pleine lune et nouvelle lune. Et puis, voilà, pour des posts réguliers, des partages de choses qui me plaisent et qui me plaît de partager avec vous. Je vous aime, je vous embrasse. Activez bien la cloche aussi, parce que certains d'entre vous rate les notifications et ça vous désabonne au long terme. Voilà, je vous le dis parce que j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Et on se retrouve donc d'ici peu, vous verrez, je vous prépare aussi d'autres choses parce que j'ai des petites choses en tête. Merci à celles et ceux qui m'ont fait confiance et qui ont acquis les petits outils que j'ai créés. Voilà, ça a été une joie pour moi de sortir ça de ma tête et de vous le proposer en outil de travail personnel. Je vous aime, je vous embrasse et à très très vite. Ciao, ciao.
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaitdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.